C'est la pause déj, c'est la fin, c'est l'heure du café. J'espère que vous allez bien, on est lundi 8 février 2021. Voilà, je sais pas, encore une fois, je ne sais pas pourquoi ce rideau n'était pas ouvert. Ce qui nous fait quand même de la luminosité. On a un temps très froid. On était passé à 12-13 la semaine dernière, là maintenant on est reparti dans les grandes températures d'hiver. Bon, ce qui somme toute est plus ou moins normal en fait, il n'y a rien d'extraordinaire là-dessus. Mais voilà, c'est pas agréable du tout. Hier d'ailleurs, on a eu de la neige. Un petit peu, enfin c'était de la neige mêlée. Ça a neigé toute la journée, mais neige mêlée, enfin mêlée à de la pluie. On voyait bien les flocons, mais ça n'a jamais tenu. Il faisait moins 1. Voilà. Donc hier, c'était dimanche. Mes parents sont venus manger. On a mangé une raclette. Et c'était cool. C'était bien sympa. Ils étaient bien contents. Et nous aussi. On a passé un bon moment, ils sont repartis avant le couvre-feu. Donc voilà, on a bien profité, c'était cool, ça fait vraiment du bien. Et on s'est régalé. Voilà. Et je vais faire couler mon café. Putain, je suis en gros plan, c'est horrible. Il la vaisselle qui fait sa petite life. Voilà. Oh, là, je suis... Toute retournée. On est toujours débordé au boulot, mais ça, on s'en sort pas. Et c'est hard. Je vous parle souvent de la fin de mois qui est très intense. Et là, on a l'impression d'être en fin de mois depuis le début janvier. En fait. Donc voilà, donc on a du taf à mort. Ce soir, Alexis va chez le kiné. Enfin, je vais l'emmener parce que de toute façon, c'est pas à côté. Et en fait, ce midi, alors le lundi midi, comme je l'ai déjà dit, il rentre manger parce qu'il a beaucoup de pause déj. Et en plus, là, il commence encore une heure plus tard. Donc, il a eu 2 heures de course ce matin, il a 2 heures de course l'après-midi. Il finit à 5 heures, donc je vais aller le chercher. Parce qu'on est rendez-vous à 5h30. Et en fait, le temps qu'il rentre, il est 5h15, 5h20. Plutôt 5h20, vu qu'il rentre à pied et que son attel. Et ça, après, ça va être trop la course. Donc, je vais aller chercher. Je sais plus ce que je voulais dire. Et on va aller chez le kiné. Du coup, on va être un peu en avance. Enfin, bref. Donc, mais peut-être que je ferai une ou deux coursettes en attendant l'heure. Il faut que je regarde le plan, enfin l'adresse, parce que c'est pas un endroit que je connais bien. C'est dans ma ville, mais j'y suis peut-être déjà allée, mais sans savoir que c'était cette adresse-là. Donc, voilà. Et on va voir comment ça s'organise, parce que. Alexis donc a décidé de partir à la première semaine des vacances. Son père travaille, mais il sera avec sa belle-mère et son petit frère et ils vont chez les parents de la belle-mère. Donc il s'est décidé, il hésitait et tout. Et voilà. Donc il partirait, enfin, je l'emmène moi vendredi soir chez son père, il part le samedi matin et il me le ramène le dimanche d'après. Donc le dimanche, je ne sais pas combien, 21 je crois, février. Ouais. Et après il y aura encore une semaine de vacances avec nous. Donc voilà. Voilà, je suis contente qu'il ait du plaisir à y aller. J'espère que ça va bien se passer parce qu'une semaine ça peut être long. Et enfin, je parle en connaissance de cause, c'est pour ça que je dis ça. C'est que des fois c'est temps d'axe, même si en ce moment ça se passe très très bien, mais c'est toujours sur des petites durées. Donc bon, voilà. Donc, mais je croise les doigts et c'est vraiment ce que je lui souhaite parce que voilà, même pour eux, enfin pour tout le monde en fait. Et voilà. Du coup, moi, ça va me faire bizarre. En plus, j'ai posé 2 jours, le 18 et le 19. Le 18, bon, bah, je vais normalement chez l'opticien, à moins qu'elle m'appelle pour que j'y aille samedi. Mais voilà, 2 jours, et puis je me suis attelée à les annuler, vu qu'on ne part pas. Et puis, je me suis dit, après tout, je vais peut-être en profiter pour faire je ne sais quoi, que je pourrais très bien faire le week-end, mais bon, enfin le samedi. Mais voilà, je sais pas, je en profite. Ça va me reposer un peu. Voilà, bon allez, je bois le café et à plus tard. Je vous reprends, il est 18h15. On est donc allé chez le kinésithérapeute. Et figurez-vous que donc on avait rendez-vous à 17h30. Et on est arrivé, donc je suis toujours en avance. Et là, j'ai été en avance que 10 minutes. Donc 17h20. Et on ouvre la porte. Lui, il ouvre sa porte et il nous appelle direct. C'était génial. En fait, je suis super content parce que c'est très rare quand même chez les médecins quand on n'attend pas.
Ça arrive, hein, qu'il y ait les médecins qui prennent à l'heure ou très très peu de retard, mais là, moi j'étais en avance et il nous prend en avance, quoi. Donc, trop bien. Donc, c'est bien passé. C'est bien passé, il n'y a pas de raison que ça se passe mal, mais. Donc, il lui a. Donc, il l'a massé un peu. Il lui a fait mis une crème avec une espèce de machine là, qui passe sur le, sur la cheville. Une crème anti-inflammatoire. Ensuite, il lui a fait des petites décharges électriques. Il pose des espèces d'électrodes sur la cheville. Et c'est de l'antalgique en fait, c'est pour éviter la douleur. Et ensuite, il lui a fait des exercices d'équilibre. Donc, voilà. Donc la séance en fait, elle dure 25 minutes. Donc voilà, donc c'était cool. Du coup, on est rentré avant le couvre-feu, parce qu'il n'aurait pas posé de problème, mais voilà, pas d'attestation à faire. Et le prochain rendez-vous, c'est mercredi à 17h. Et ensuite, Alexis donc, est chez son père pendant une semaine, enfin, chez sa, chez la, chez les parents de sa belle-mère plutôt. Et donc, ce sera la semaine d'après, là, ce sera lundi, mercredi, vendredi, ça sera fini, parce qu'en tout, il y en a 5. 17h à chaque fois, donc là, j'apprécie mon télétravail. Enfin, je l'apprécie en règle générale, hein, de toute façon. Et de finir tôt, d'ailleurs. Parce que oui, c'est à côté, mais c'est pas très loin, mais à pied, c'est pas faisable. Enfin, ça serait faisable si on. Voilà, mais bref. Donc voilà, une bonne chose est faite. Ça faisait, moi, chez le kiné, j'y mets jamais les pieds en fait. Et ouais, enfin pour moi, je crois que j'y suis jamais allé. Enfin, si, j'y suis allé quand j'étais quand j'étais jeune. J'avais des problèmes de dos, j'avais des problèmes de genoux, si, si. Mais j'étais très jeune, j'étais adolescente. Donc ça date un peu. Donc voilà, une bonne chose est faite. J'aime bien quand j'ai un truc à faire et que c'est fait. Si vous voyez ce que je veux dire, je suis un peu bravos. Il fait très très froid. Hein. Il prévoit en plus des températures très en Ile-de-France, très très froides là les jours qui arrivent. Apparemment, on va morfler notre. On va morfler. Enfin bon, j'en ai déjà parlé ce matin, je crois. Pas ce midi. Ah, un gros coup de barre. Allez, je vous laisse. Bon, quand j'ai la moumoute comme ça, c'est que il fait froid. Nous sommes non, mardi. Mardi 9 février 2021 et il est 17h25. Je vous prends seulement maintenant parce que j'ai une dure. Enfin, pas une dure journée. Enfin, si, j'ai une dure journée, mais donc intense. Et j'ai pas pris le temps. Et en plus, il fait très froid. Dehors. Chez moi, ça va. Mais j'ai quand même. On sent que. Voilà. Il fait moins 4, il doit faire ressenti moins 40. Ouais, il fait très très froid dehors. Je suis allée faire deux petites coursettes et je suis allée chercher Alexis au collège ce soir. Et franchement, j'ai eu très froid pour le peu que j'étais dehors. C'est incroyable. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et voilà, donc c'est tout. Rien de transcendant. Donc là, vous avez constaté que je mets des vlogs tous les 3 jours, en gros, enfin, qu'un écart de 2 jours entre. Mais j'ai. Alors, je vous l'ai déjà dit plein de fois et à chaque fois, je le fais pas parce que au bout d'un moment, j'ai toujours envie de reprendre. Mais je pense que je vais faire une pause dans les vlogs et je vais peut-être plus me. Enfin, je reprendrai quand vraiment il se passera des trucs. C'est-à-dire dans 10 ans, voilà. Enfin, je sais pas, peut-être quand j'aurai mes nouvelles lunettes ou voilà des petites ou quand je serai motivé à faire des passages en accéléré. Voilà, parce que voilà, je pense que je vais plus me concentrer en fait. Raconter, vu que j'ai pas grand chose à raconter, le peu que j'ai raconté, je pense que bah, je le raconterai sur Instagram en story. Là, is a family. Là, tiré du bas, et bref, c'est en barre d'infos de toute façon. Puis je vous l'ai déjà dit 150 000 fois. Voilà, donc vous étonnez pas s'il n'y a plus de vlog après. Après, il y en aura peut-être un parce que voilà. Il y a des fois, j'ai des phases comme ça, et puis après, je me dis, bah, allez, hein, il suffit que je regarde un vlog de quelqu'un d'autre, et je me dis, oh non, je peux filmer après tout. Elle aussi raconte, elle fait rien, elle raconte. Enfin, elle fait rien de spécial, elle fait que de parler, et voilà. Et ça me plaît, donc à voir, mais. Au jour d'aujourd'hui, en tout cas, je suis pas super motivée à continuer comme ça parce que voilà, c'est
Même si je. Enfin, vous voyez le truc des lunettes. Bon, je change les lunettes et puis voilà, basta. Enfin, j'irai des nouvelles lunettes, ça va durer 3 secondes. Bref. Enfin, voilà. Donc, voilà. Donc, vous inquiétez pas s'il n'y a plus de vlog. Et d'ailleurs, celui-là, je vais clôturer. Je vais le cumuler donc, avec là, ce que j'ai filmé d'hier quand on était allé chez le kiné, là. Oui, j'ai même pas filmé en voiture, j'ai même pas filmé des petites séquences qui pourraient être sympathiques en musique et tout, mais voilà. Je prends pas le je fais pas, donc je le fais plus. Donc voilà. Donc peut-être un petit break hivernal. Ah, c'est un titre, ça. Petit break hivernal. Bon, pas trop, ça va pas durer 2 jours, mais bon. Au moins, vous êtes prévenus. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, vous savez que ça fait plusieurs mois que je vous dis que voilà, je sais pas trop, machin, que voilà, déjà au départ je décalais, enfin, j'en avais un tous les 2 jours, maintenant c'est tous les 3 jours. Enfin. Donc voilà, affaire à suivre. Vous allez me dire comme d'habitude, oui, mais t'inquiète pas, on sait, machin truc, bref. C'est un éternel recommencement, toutes ces discussions. Enfin voilà, donc bah, écoutez, merci d'avoir regardé la vidéo quand même. Je fais des gros bisous, puis je vous dis ciao, 24. Non, mais ça se trouve, je vais reprendre plus vite que mon ombre. Allez, bisous.